Si vous êtes guitariste, peut-être que vous commencez à vous intéresser à l'improvisation. Du coup, comme n'importe qui, vous êtes allé sur YouTube, vous êtes tombé sur les milliers de vidéos qui traitent du sujet, et résultat, vous êtes perdu et vous savez pas du tout par quel bout commencer. Peut-être aussi que vous vous débrouillez déjà en impro et en solo. Vous maîtrisez la gamme pentatonique, vous connaissez plein de plans super sympas, mais vous avez le sentiment qu'il vous manque encore une pièce du puzzle. Du coup, vous stagnez, vous restez toujours un petit peu sur les mêmes réflexes de la gamme sans réussir à trouver de nouvelles idées et vous n'arrivez pas à franchir cette nouvelle marche dans votre pratique de la guitare. Ces deux situations, tous les guitaristes l'ont vécu et moi le premier. Le problème, c'est que pour s'en sortir, il faut absolument prendre les choses dans le bon ordre, sinon on reste bloqué. Avec cette formation, on va aborder ensemble l'improvisation dans sa globalité. On va parler de théorie musicale, de technique et bien sûr mettre en application tous les conseils que je vais vous donner. J'ai choisi Stairway to Heaven de Led Zeppelin en trame de fond parce que c'est une chanson que j'adore et que je considère comme universelle. Par contre, attention, l'objectif du module n'est pas du tout de vous apprendre à jouer par cœur le solo de la chanson. Bien au contraire, le but, c'est de vous aider à vous sentir libre et à pouvoir improviser sur la rythmique. Pour y arriver, je vais vous guider étape par étape avec un programme très complet. On va parler de tonalité, de gamme avec des exercices pour bien les pratiquer. Et surtout, je vais décortiquer avec vous 10 plans incontournables qui vont vous permettre de faire vos premiers pas en impro ou alors de renforcer vos connaissances. Mon but n'est pas simplement de vous apprendre ces 10 plans, c'est vraiment de vous apporter un ensemble complet. Et c'est pourquoi je vais aussi vous présenter 4 rythmiques que vous allez pouvoir soit enregistrer sur votre looper ou soit écouter grâce aux backing tracks qui sont fournis avec la formation, soit à tempo normal, soit à tempo réduit de moitié pour pouvoir s'adapter à votre niveau. Évidemment, vous aurez aussi accès à toutes les tablatures en fichier PDF ou GPX pour ceux qui possèdent Guitar Pro. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Thibaut de Guitar Plug and Play. Vous pouvez découvrir ma pédagogie gratuitement sur mon site guitarplugandplay.com et sur YouTube où je partage avec vous ma passion pour la guitare et plein de tutos pour vous aider à mieux comprendre votre instrument. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée musicale à tous. Du coup, si vous êtes équipé d'un Marshall, d'un Vox ou même d'un Bouguera V22 par exemple, qui a un très bon rapport qualité-prix, vous aurez. Donc vous pouvez mettre les basses légèrement en retrait, à peu près à 4, les médiums. Pour ça, je vais partir du La mineur sur la première mesure et ensuite, plutôt que de fretter tout mon accord de Sol, je vais garder le La mineur et je vais juste venir rajouter en basse la note Sol. Donc ça va créer un accord un petit peu enrichi, on appelle ça un La mineur. Ici, je suis en train de jouer à la croche, c'est-à-dire que j'ai coupé chaque temps en deux, 1 et 2 et 3, et qu'à chaque fois, je vais jouer sur le temps et sur le et qui va suivre le temps. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Et le fait de laisser poser l'index va vous aider à avoir cette liaison et ce côté très fluide parce que si à chaque fois vous soulevez vos doigts, vous allez avoir un son très haché et ce serait dommage parce que ça va vraiment. Donc si je reprends le début par exemple. Voilà, c'est deux coups de médiator. Si je les décompose, en fait, ça me fait 1 et OK. Voilà, on voit bien que mécaniquement, ma main est censée remonter, sauf qu'on ne joue pas cette note. Et du coup, quand je réattaque, ça veut dire que mes doigts sont toujours en contact des cordes, je ne les ai pas enlevés. Mais par contre, ils n'appuient plus dessus. Donc ça va me permettre de couper le son. Donc du coup, je vais jouer la tonique de la gamme, donc le La ici. Ensuite, on va entendre la tierce mineure. Ensuite, on va jouer la quinte juste, la quinte juste,
septième mine. Ce doigté va être très adapté quand on veut faire des mouvements rapides et linéaires sur la gamme, par exemple une montée ou une descente. En effet, les doigts sont vraiment dans un axe bien parallèle au fret, donc on a un placement de la main qui est assez optimal, et le pouce qui est en dessous. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, et ainsi de suite, toujours en alternant, cou vers le haut. Soit vous pouvez aussi faire majeur, petit doigt, et ensuite index, petit doigt. On voit bien que c'est exactement le même schéma qui est en train de se dessiner sur le manche de la guitare. La seule différence entre les deux, c'est que dans la gamme mineure naturelle, on a deux notes. Parce que si vous jouez comme ça, vous allez perdre après tout le côté legato. Je joue un petit peu de disto. Voilà, tout ce genre de plan très rapide, vous pourrez pas le faire parce que si vous avez pris l'habitude de tout le temps. Voilà, ça c'était pour les triolets. Et si maintenant je passe au sextolet, 3 et puis 4 et puis 1. Dans certains cas, vous verrez qu'il y a deux versions du même plan. La première qui va être assez orientée Stairway to Heaven, où je vais souvent finir ici sur le Fa, on va en reparler tout à l'heure. Et du coup, ces versions-là ne sont pas forcément compatibles dans d'autres contextes musicaux. Donc dans ce cas-là, je fais une seconde version du plan où je termine. Donc ici, je les ai juste joués en power chord, mais le concept est exactement le même. Donc, les deux accords qui nous intéressent le plus là-dedans, c'est le La, puisque souvenez-vous qu'on est en tonalité. Ici, je commence sur le La à l'octave, de la première position pentatonique. Sauf que là, au lieu de le chercher avec mon annulaire, je vais le prendre plutôt avec l'index, parce que c'est beaucoup plus logique pour la suite. Il fait partie du même ensemble de notes. Souvenez-vous qu'une pentatonique, c'est deux notes en moins qu'une gamme mineure naturelle. C'est pour ça qu'il va très bien sonner dans le morceau, mais gardez en tête qu'il ne fait pas partie. Je vais utiliser ce qu'on appelle un effet de vibrato. Et donc pour ça, sur chaque note longue, je vais bouger mon doigt de haut en bas, un petit peu comme si je faisais un bend, sauf que c'est un mouvement. Une fois que vous aurez maîtrisé la technique, sans même y penser, vous allez l'intégrer un peu partout dans vos solos. Et c'est encore une technique qui va vraiment faire sauter. 3, 4, 1. Ça, c'est le plan qui commence comme ça. Ensuite, je vais réattaquer au médiator la case 5. Et là, vu que la phrase se termine sur la case 7, on peut plutôt privilégier l'index. Du coup, je reprends le plan au ralenti une première fois. 3, 4. Je reprends maintenant le plan en vitesse normale. 3, 4. Pour bien faire sonner le plan, pensez à travailler aussi ce passage en hammer pull-off qui doit être fait de manière très linéaire, c'est pas comme ça. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de tirer la corde et que du coup vous allez avoir aussi une meilleure précision. Si je veux faire un bend très très lent, voilà, j'arrive à faire un mouvement très linéaire, alors que si je suis sur le temps 1, j'entends mon slide d'approche, et sur le temps 2, j'entends une descente très rapide que je fais, donc sans viser de note en particulier, mais on veut entendre cet effet. Voilà, de bas, bas, hammer, pull-off, attaque. Où là, je fais un petit vibrato. Là, du coup, j'ai enlevé mon barré avec l'un. Ça permet d'avoir cet effet de slide, parce que je pourrais très bien jouer le plan comme ça, par exemple. Mais là, on va chercher cette sonorité de glisse. Maintenant qu'on a bien étudié ensemble ces 10 plans, je me permets de vous donner quelques conseils pour progresser en improvisation. Ben, si je veux improviser là-dessus, j'ai même pas besoin de réfléchir, je sais automatiquement que mon plan va sonner dessus. Voilà. Tout ce que j'ai eu à faire,
C'était dès que vous allez le sentir, hein, sans réfléchir, vous prendrez votre guitare. Voilà, vous avez des plans qui vont sortir tout seuls de vos doigts, et ça c'est super bon signe, ça veut dire qu'ils sont complètement intégrés à votre cerveau. Et puis après, imaginons qu'on est toujours dans la tonalité de la mineure, mais que je suis sur un blues qui est très très lent, un truc comme ça. Voilà. Bon gros blues à l'ancienne. Donc là-dessus, mon plan là, que j'ai vu tout à l'heure, je sais qu'il va sonner puisqu'il est dans la même tonalité. Par contre, si je le joue comme ça, c'est pas sûr que ce soit terrible. Ouais, c'est pas hyper en phase avec le tempo. Donc je vais essayer plutôt de m'amuser à l'adapter.